Jade Hallyday son premier anniversaire sans Johnny. Les amis de Laetitia à ses côtés pour ce jour d'émotion. Jade Hallyday se souviendra longtemps de ses 13 ans. Comme le relate Paris Match dans ses colonnes jeudi 2 août, Laetitia avait décidé d'organiser une fête pour sa fille, histoire qu'elle passe un moment joyeux malgré la maladie de son papa. Johnny Hallyday, très affaibli, souffrait en effet d'un cancer du poumon. Il ne restait alors au rocker que quelques mois à vivre. Pour cette célébration, la mère de famille a fait appel à des gens de Lille, explique l'hebdomadaire. Un anniversaire qui s'annonçait sous de bons auspices, l'occasion de couvrir Jade Hallyday d'amour et de tenter d'oublier la maladie qui terrasse le patriarche. Sauf que ce dernier n'a pas vraiment le cœur à la fête. Il tente de donner le change. Mais il se retire rapidement dans sa chambre, continue le magazine. On sentait bien que c'était un homme malade, fatigué. Et, il y avait comme une chape de plomb dans la maison, ce jour-là. Cette année, Jade Hallyday fête son premier anniversaire sans son papa. Un événement qui devrait être joyeux mais que l'on imagine teinté d'une certaine mélancolie pour la famille. Pour l'occasion, les amis de Laetitia Hallyday se sont passés le mot pour célébrer l'adolescente comme il se doit. Joyeux anniversaire mon ange, s'est émue Marie Poniatowski sur Instagram, publiant une photo de la jeune fille tout sourire. Happy birthday ma Jade Hallyday, a souhaité Oda Roche en story, accompagnée d'une photo de l'adolescente avec sa maman. Happy 14 ma Jadou d'amour, mon étoile ma championne joyeux anniversaire ma chérie, a écrite une troisième.